Madame, vous pouvez vous écarter. Quantité de chambre indien en provenance de Sierra Leone serait au bord du Kemnetex, au bord de Boulibine. C'est ainsi que j'ai informé la cellule de filature et de recherche pour monter un dispositif au débarcadère. Ainsi, le 23 février, aux environs de 8 heures, le chef de cellule m'a informé que la pirogue est arrivée à Rougon, qu'ils ont localisé là où ils ont déposé la quantité de drogue et le propriétaire est localisé. C'est ainsi que j'ai fait remonter l'information à la hiérarchie qui m'a instruit déjà de partir faire la saisie et l'interpellation. J'ai fait appel au commandant de brigade mobile et le chef des opérations pour s'y rendre pour lui. Arrivé déjà sur le terrain, nous avons trouvé une grande quantité de grains de chambre indien devant la concession. Ceci constituant déjà la flagrance, on n'a pas besoin de passer maintenant par le procureur pour demander un mandat de prêt. On a fait appel au concessionnaire. Et à son tour, s'est mis à notre disposition pour les faire. Dès qu'on a trouvé la quantité importante, comme le propriétaire est localisé, j'ai donné l'ordre de l'interpeller. Sur notre demande, il nous déclare être nommé Ousmane Bangoura, interpellé sur la quantité saisie, la provenance et l'appartenance. Il nous a déclaré que c'est à eux, la prévenance c'est Sierra Leone. Immédiatement, j'ai demandé à l'équipe de l'embarquer pour se diriger déjà à l'hôpital. Arrivé, nous avons procédé au PG, nous avons trouvé une quantité de 935 kg. 935 kg de chambre indienne, c'est une quantité énormissime. Ce qui un peu frappe à l'œil en tant que journaliste, chaque fois que vous saisissez, la quantité ne fait que grimper. Aujourd'hui, c'est un produit accessible à tous à cause de son prix un peu bas. Quel est le message que vous véhiculez à l'endroit de la jeunesse en termes de collaboration et à l'endroit des services de défense et de sécurité? Parce que ça peut être acheté par n'importe quoi. Merci. L'unique appel que nous faisons à la population, c'est de collaborer, nous faire remonter l'information pour nous permettre déjà d'agir à temps. Et nous lançons l'appel aussi à la défense et la sécurité de se donner la main pour nous aider à éradiquer ce fléau pour continuer à engendrer notre société. Je ne terminerai ma déclaration sans remercier le colonel Mamadi Doumbouya, le président du CNRD, le président de la transition, le chef de l'État, le chef suprême des armées, de l'effort et toutes les moyens qu'il a disposé au sein de l'OCAD pour procéder à la réalisation de ce fléau. Et nous remercions aussi le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui m'a assisté personnellement pour parvenir à l'intervenir. Quelle est la suite à donner à ce dossier? Est-ce que sera déféré aujourd'hui celui qui a été interpellé ou bien vous continuez à rechercher ses complices? Dès aujourd'hui,
ces derniers sous les instructions de monsieur le procureur de la République de Mafanto, nous allons le déférer et continuer à rechercher les deux autres. Continuez, s'il vous plaît. Frère, faux débat car ici, c'est le commandant colonel, le directeur, a deuxième parité de mon départ. Merci beaucoup. Ousmane Bangoura, pourquoi tu es ici? Je suis là pour faire. Comment ça s'est passé? À haute voix. Non, élève la voix. Ta langue c'est quoi? C'est la langue. Ok, alors élève la voix, tu parles. Pourquoi tu iras? Donc au parti va se à côté de moi. D'abord moi, donc bas en camp. Alors que problème n'a sans problème pas. Donc à l'endroit n'a qu'une. Vous êtes à souvenir. Oui, souvenir. Ah, et là, donc il y a colonie côté Kobinara. Il y a colonie côté quantité de la ramon. Nous allons tirer Nara, mais il y a colonie côté Kobinara. Il y a colonie côté Kobinara. Et mon père, c'est quoi le colonie côté Kobinara? Colonel, si c'est sa première fois de faire, et quel est son métier, lui? Merci. Claire.